ce poison beaucoup trop tard. Ça fait que l'Iran a perdu ses îles, cet archipel de Majnoun qui nous appartenait, qui est gorgé de pétrole. Enfin, pour vous dire, monsieur Avesta, et surtout pour les téléspectateurs, que ce régime n'a fait que corrompre, n'a fait que vraiment mal au pays, et surtout créer des crises, et ils ont vécu avec des crises, crise sur crise, ils sont arrivés à ce point. Alors maintenant, il y a une nouvelle génération, parce que voyez-vous, sur 74 millions, il y a 64% qui sont en dessous de 30 ans. Exactement. C'est-à-dire, ils sont nés après la révolution. C'est un avantage. C'est le seul facteur qui permet la résurrection de l'Iran. Exactement. C'est que nous, les vieux de la vieille, vous êtes toujours jeunes. Nous pensons que l'avenir de l'Iran sera assuré par ce mouvement patriotique, ce mouvement nationaliste et laïque. Regardez les slogans qu'ils ont lancés ces jours-ci. Que Mousavi, c'est un prétexte. La cible, c'est le régime. Vive la République iranienne. Nous sommes iraniens. Et voilà où est arrivé. Cette jeunesse est vraiment pour moi, personnellement, à l'heure actuelle, un militant simple. C'est vraiment, je suis fier de cette jeunesse. Je suis fier vraiment de ces femmes, de ces jeunes femmes courageuses et qu'ils ont payé très cher. Très cher. Très cher. Je n'en reviens pas, les crimes. Vous avez vu le visage ensanglanté de Neda. Vous avez vu le corps calciné Tarané, le jeune homme Sohrab, enfin des dizaines d'autres. Et ces jours-ci, M. Avesta, vous êtes bien au courant, mieux, plus que moi, à l'heure actuelle, la révolte, ce n'est pas la révolte, comme un jour, le 14 juillet 1789, quand Louis XVI a demandé à son ministre de quoi s'agit-il. C'est une révolte. Il a dit non, sire, c'est une révolution. Alors aujourd'hui, ce n'est plus une révolte du peuple iranien, c'est une révolution laïque, nationaliste et absolument qui est vraiment spontanée. Et je peux dire que pratiquement, ce mouvement, cette révolution est pure. Parce que cette révolution est faite par la nouvelle jeunesse, comme je viens de vous dire. Excellent, excellent. Mes chers amis, nous sommes avec Dr Manoucher Razmara, le dernier ministre de la Santé de Shah d'Iran, de Dr Shapur Bakhtiar. Et Dr Razmara, il est cardiologue, mais c'est un homme politique aussi. Alors, Dr Razmara, il y a déjà environ 31 ans, vous êtes à Paris, vous venez à Paris pour passer le Noël en famille, avec votre femme, la famille tout autour. Tout d'un coup, le premier ministre iranien, il vous appelle, qui n'est pas encore premier ministre, Shapur Bakhtiar. Il dit, monsieur, vous êtes un membre de mon cabinet, vous devez retourner à Téhéran. C'est-à-dire que, évidemment, depuis les deux ou trois mois, quand les agitations avaient déjà commencé à Téhéran en particulier, mais dans toutes les grandes villes de l'Iran, oui. On savait que, de toute façon, le Shah est enclin, pour ne pas dire qu'il était obligé de changer vraiment la forme du régime, c'est-à-dire réellement de démocratiser. Et il voulait s'adresser à des gens qui n'avaient pas participé pendant son règne, ces 37 années. Qui étaient restés propres. Surtout Bakhtiar était pendant des années en prison. En plusieurs périodes, des périodes, des tronçons de 3 mois, 2 mois, mais enfin en tout presque 6 années il était en prison, voilà, mais interrompu. Voilà. Et il était resté vraiment en dehors, et même, vous savez comme il était le cousin de l'ancienne reine. Oui, Soraya. Soraya Esfandiar Bakhtiar. Après la chute du gouvernement de Mossadegh, parce que M. Bakhtiar était vraiment un des compagnons vraiment fidèles, pas dans le genre de les autres qui sont allés en 78 baiser la main de Khomeini ici à Neuf-le-Château. Lui, il était resté dans la ligne droite
vraiment du nationalisme iranien. Et laïque. Et laïque. Et laïque. Et toujours laïque. Jamais il n'a pas accepté jamais. Le pouvoir religieux. On lui avait proposé d'être ministre, il a refusé. Et même en vous disant ça, M. Avestock, tout à l'heure, avec M. Parsa, voyez-vous, ce n'était pas un opportuniste. Bien au contraire, parce qu'à l'heure actuelle, tous ces, toutes ces personnes qui ont collaboré d'une façon et d'une autre avec ce régime, maintenant, évidemment, ils sont en train de changer la question. Laver les mains. Laver les mains sales. Les mains sales, comme dit Paul Sartre. Voilà. Alors, parce que Bakhtiar est resté, malgré qu'il avait une vie difficile, on lui a proposé un poste de ministre, il a refusé. Il a refusé. C'est pour dire que vraiment, la question, à partir de mois de, disons, septembre, octobre, novembre 78, ça se voyait que de toute façon le régime ne pouvait plus durer. L'Ocha, évidemment, qui était miné intérieurement par sa grave maladie, c'était très important. Par la mauvaise chance de l'Iran, que l'Iran, ça c'est quoi, vous savez, cette catastrophe, c'était l'engouement d'une série d'événements. Et un des facteurs qui a vraiment coûté cher au pays, et que l'Ocha a perdu tout réflexe, et qu'il a commis erreur sur le rôle d'évaluation d'eau, et c'était sa grave maladie. Parce que le jour où nous avons été présents, le gouvernement était présent au pouvoir, il était une fantôme de lui-même, il était vraiment... Alors donc à partir du mois de septembre 78, nous savions qu'il y aurait un grand changement, et que nous, on serait... sûrement appelé participer au gouvernement, on ne savait pas. Mais on savait que de toute façon, ils vont s'adresser à des personnalités de ce qu'on appelle le Front National. Qui n'a aucun rapport avec le Front National français. Aucun. Que c'est vrai, le nom, c'est la même chose. Non, absolument pas. Le Front National, Jebhe-Milli. Non, parce que pour la part des gens, dès qu'on dit Front National, c'était un parti politique, et Mossadegh était le symbole de Mossadegh. Mossadegh était à l'antipode de ces conceptions-là. Voilà. Alors donc, on savait... entre septembre et décembre 1978, j'ai fait au moins 3 voyages entre Téhéran et Paris. Parce que ma femme étant française, mes enfants étaient là, alors donc je venais les voir parce que mes enfants étaient ici, heureusement. Parce que par la suite, quand je suis sorti de prison et que j'ai dû quitter l'Iran clandestinement... Je dois préciser que juste après la révolution, Dr Razmallah a été arrêté par les révolutionnaires, emprisonné, menacé, mais miraculeusement, on peut dire que on vous a sauvé. Alors donc, de toute façon, je suis venu ici la dernière fois, je suis allé voir M. Bakhtiar, c'était le 20 décembre, je me rappelle très bien, 20 décembre, je lui ai dit que je dois aller passer les fêtes de Noël avec ma famille. Alors il a été un peu mécontent. Il dit, écoute, de toute façon, avec ces changements, tu vas me laisser, enfin nous laisser partir. C'est pas le moment de partir. C'est pas le moment de partir. Mais parce que de toute façon, sûrement il y aura des problèmes. Alors je lui ai dit, écoutez, parce que évidemment, devant les autres, je disais, monsieur Bakhtiar, tout ça. Nous, nous avions supprimé, moi, personnellement, je n'ai jamais accepté qu'on me dise docteur et tout ça. Voilà. Alors, je disais, monsieur Bakhtiar, entre nous, quand on était seuls, je l'appelais Shapur Khan. Parce que, voilà, Shapur, c'était son prénom. Khan, puisque c'était un...